10 up, please. Prends tes 10 sujets. You take your 10 prayer topics. Pour ceux qui n'étaient pas là, for those who are missing, tu dois écrire 10 choses. You must write 10 things que tu demandes à Dieu. That you ask God for. Dix choses. 10 things que tu veux obtenir de Dieu. That you want to obtain from God. Tu ne peux pas écrire, tu revises ça dans ta tête. If you can, you don't know how to write, you make it, you think of it in your mind. Tu peux écrire, tu prends une feuille, tu écris pour ne pas oublier. If you can write, then you take a sheet of paper, you write it for you not to forget. Alléluia. Praise the Lord. Et quand on prie, and when we pray, priez avec violence. Pray fervently. Quand tu écoutes les témoignages, when you listen to the testimonies, les choses qui se passent, the things that happen, dans le monde spirituel, in the spiritual realms, pendant la prière, during the prayer, dépasse notre entendement, are beyond our understanding. Toi, tu pries seulement. You are just praying. Et on te dit que, and they tell you that, il y a eu un cercueil qui a explosé. That a coffin had exploded. En priant seulement. While praying. Quand vous entendez aujourd'hui que nous disons, nous cassons les prisons, nous brisons les bouteilles, c'est venu comment? Ce sont des témoignages qui nous ont fait. When you hear today that we break the coffin and you break prisons, how did it come? From testimonies. En priant. While praying. Dieu a donné des visions. God gave visions. Des cercueils cassés. Broken coffins. Et la personne qui priait se retrouve dans le cercueil alors qu'elle est vivante. And the person who was praying found himself in the coffin while that person is alive. Et la personne sort du cercueil. And the person get out of the coffin. Et toutes les maladies qu'il avait disparaissent. And all the diseases that that person had disappear. Nous avons appris. We learned. Il y a des gens envoûtés. We learned that there are bewitched people. Ils sont vivants. Who are alive. Mais leurs âmes sont dans les cercueils. But their souls are in the coffins. Ils sont des prisonniers. They are prisoners. Et ils ont tous les problèmes. And they have all the troubles. Les blocages. Blockages. Si ce cercueil est cassé. If that coffin is broken. Et que leur âme est libérée. And that their soul is, leur vie is released. Leur vie s'ouvre sur la le bonheur. Their life is opened on happiness, to happiness. Alléluia. Praise the Lord. Donc tu parles à Dieu. So you speak to God. Le problème que tu poses à Dieu peut exiger, peut amener Dieu à envoyer des armées pour détruire les forteresses. The problem that you are presenting God can lead God to bring angels to destroy strongholds. Tes cris, your cries, peuvent amener Dieu à renverser une montagne. Can bring God to overthrow, to pull down a mountain. Conduit par le Saint-Esprit, led by the Holy Spirit. Dis Seigneur, say Lord. Non, ne dis pas Seigneur. No, don't say that. Jésus a dit, Jesus said, quand vous priez, when you pray, dites, say, notre Père qui est aux cieux, our Father who is in heaven. Tu ne t'approches pas de lui ce soir comme ton Seigneur. Non. You are not drawing near him this evening as your Lord. Tu ne discutes pas. Pour ça là, c'est réglé même. This one is already settled. Mais pour ton bien, but for your good, approche-toi de lui comme t'approchant de ton père, ton père, ton père. Draw near him as somebody who is drawing near his father. Comme un héritier. As a heir. Que les choses que tu demandes là existent déjà pour toi.
that the things that you are asking for already exist for you. Ça existe. This exists. Dieu les a préparés depuis. God has prepared them ever since. Dieu Père. Say, oh Father. Je sais. You know. Que ces choses ont été préparées. Depuis des années. I know that these things have been prepared for years, since years. Tu ordonnes maintenant. You now ordain qu'elles s'accomplissent dans ma vie. That they become real in my life. Je te supplie. I beg you. D'ordonner qu'elles s'accomplissent maintenant. To ordain that they come true now. Commence à prier. Start praying. Lis d'abord Isaïe 37, Isaïe 37, verset 26. Read Isaiah 35, verse 26 first. Écoutez d'abord la parole de Dieu. First of all, listen to the word of God. Lis rapidement. Read speedily. Isaïe 37, verset 26. Isaiah 37, 26. Isaïe 37, verset 26. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Lis à haute voix. Read loudly. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Amen. Amen. Isaiah 37, verse 26 and 27. Have you not heard? Long ago, I ordained it. In days of old, I planned it. Now, I have brought it to pass that you have turned 45 cities into piles of stone. Their people, drained of power, are dismayed and put to shame. They are like plants in the field, like tender green shoots, like grass sprouting out of the roof, scoffed before it grows up. Amen. Des choses préparées longtemps avant. Things that have been prepared long ago. Dieu ordonne. God ordains. Maintenant. Now. Qu'elles s'accomplissent. That they come to pass. Que tu renverses les barrières. That you overthrow barriers. Que tu chasses les démons. Cast out demons. C'était décidé depuis. This was planned ever since. Que tu pries. That you pray. Que Dieu exauce. And that God answers. C'était décidé depuis. It was decided long ago. Dieu permet que ce soir, and God allows that this evening, ces choses s'accomplissent dans nos vies. These things come to pass in our lives. Dieu Père, say, oh Father, tu les as préparés longtemps. You prepared avance. Them long ago. Préparés depuis des siècles. You prepared them for ages. Préparés depuis des générations. You prepared them since generations. Ordonne maintenant. Now ordain. Qu'elles s'accomplissent. That they come to pass. À tes héritiers. In your heirs. Tes enfants héritiers que nous sommes. Your children, heirs as we are. Continue à prier maintenant. Keep praying now. Tous les domaines. All the domains. Tous les aspects de ta vie. All the different aspects of your life. Physiquement, spirituellement. Physically, spiritually. Financièrement. Financially. Émotionnellement. Emotionally. Psychologiquement. Psychologically. Toutes les dimensions. All the dimensions. Toutes les dimensions. All the dimensions. Toutes les dimensions. All the dimensions.
Parle à ton père. Speak to your father. Sans crainte. Without fear. Sans crainte. Without fear. Sans crainte. Without fear. Sans douter. Without doubting. Sans douter. Without doubting. Sans crainte. Without fear. 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 Sans douter. Without doubting. Ora bakashara bakashara. Ora bakashara bakashara baka. Ora bakashara 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 baka. Sans crainte, sans crainte. Without fear. Sans douter. Without doubting. Ora bakashara bakashara baka. Ora bakashara baka. Dieu oh Père, oh Father, exauce-nous, oh Père, oh Father, tu peux, you can, tu peux, you can, tu peux nous sauver, you can save us, tu peux nous aider, you can save us, tu peux ouvrir les portes, you can open doors, tu peux ouvrir les portes, you can open tu doors, peux frayer le chemin, you can pave the tu way, tu peux ouvrir les portes, you can open tu peux frayer le chemin, you can pave the way, tu peux frayer le chemin, you can pave the way, tu peux ouvrir le ciel, you can open heaven, tu peux ouvrir le ciel, you can tear open, tu peux opérer des prodiges, and work wonders, tu peux opérer des prodiges, you can work wonders, tu peux opérer des prodiges, you can work wonders. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Keep praying. Que Dieu descende au combat. That God, God comes down in the battle. Attire ton père au combat. Draw your father in the battle. Qu'il intervienne. That intervenes. Qu'il intervienne. That intervenes. Qu'il intervienne. That is intervenes. Qu'il intervienne. That intervenes. Qu'il intervienne. That intervenes. Ora bakaja ora bakago bakaja. Ora bakaja bakajo bakaja. Prions tous en langue. Let us pray in tongues, all of us. Prions tous en langue. Let all of us pray in tongues. Si tu n'as pas encore le parler en langue, if you don't have the speaking in tongues yet, reçois-le maintenant. Receive it now. Reçois de nouveaux parlers. Receive new speaking in tongues. Sois renouvelé. Be renewed. Parle en langue. Speak in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Reçois les langues. Receive tongues. Et prie en langue. And pray in reçois tongues. Les langues. Receive tongues. Et prie en langue. Pray in tongues. Reçois les langues. Receive tongues. Et prie en langue. Pray in tongues. Reçois les langues. Receive tongues. Et prie en langue. Pray in tongues. Reçois les langues. Receive tongues. Et prie en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Pray en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Ora bakasere bakasa bakasoro baka. Ora bakaseka rabakuta ka. Yeteke rebalta rabasina. Uria bala bazina ida glory dal bashete. Jete kere, 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 jete kere. Ora bakajoro bakago bakajoro bakajoro bakago bakajer bakago bakajer baka. Ora bakajoro bakago bakajer baka. Ora bakajoro baka. Ora bakajoro baka. Ora bakajoro baka. Ora bakajoro baka. Ere kabaka. 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 Ola kabaka. Ere kabaka. Ere kaseka. Ere bakaseka. Ere bakaseka. Ere bakaseka. Dis, oh Père, say, oh Father, tu as dit dans ta parole, you said in your word, à cause de vous, because of you, j'envoie les ennemis contre Babylone. I send enemies against Babylon. À cause de vous, because of you, j'envoie les ennemis contre Babylone. I send enemies against Babylon. Dis, oh Père, say, oh Father, envoie tes armées. Send your army. Envoie tes armées. Send your army. Si ça nécessite tes armées. If it requires your tes armies, armées. Send them. Envoie tes armées. Send your army. Si ça nécessite les interventions. It needs the intervention. Et change les choses. And change things. Continue à prier. Keep praying.
Oh Père, tu as dit dans ta parole, évoque-moi, Call upon me. Au jour de la détresse, in the day of je trouble, te délivrerai, I will deliver tu you. Me glorifieras, then you glorify je te délivrerai, tu me glorifieras, you glorify me. Oh Père, say, oh Father, je suis dans la détresse, I am in trouble. Viens à mon secours, come and help continue me. À prier, continue à prier, keep praying. Dieu Père, Dieu Father, combat pour nous dans les lieux célestes. Fight for us in heavenly realms. Continue à prier. Keep praying. Continue à prier. Dieu Père, Dieu Father, combat pour nous sur la terre. Fight for us on Dieu earth. Dieu Père, oh Father, combat pour nous sous la terre. Fight for us sous la terre. The earth, beneath the earth. Sous la terre. Oh Père, combat pour nous fight for us, dans les abîmes, in abyss, dans les abîmes, in the abyss, dans les profondeurs des abîmes. In the depth of oh the abyss. Père, oh Father, combat pour nous, fight for us, combat pour nous fight for us, dans les eaux, in waters, dans les eaux, in waters, dans les lieux plus bas que les eaux, in the lower places, dans les plus bas que les eaux, in the lower places, dans les plus bas que les eaux, beneath the waters, combat pour nous, fight for us, combat pour nous fight for us, sur les rochers, on rocks, et sous les rochers, on the rocks, combat pour nous, fight for us, sur les montagnes. On the mountains, et sous les montagnes, and under the mountains, combat pour nous, fight for us, combat pour nous, fight for us, dans les fleuves, les rivières, in fruit, les marigots, in les rivers, torrents, in les lacs, backwaters, même de lakes, l'eau dans les bouteilles, in waters, combat in the pour nous, even waters, partout où se trouve une force des eaux, fight for us, une puissance des eaux, combat waters, pour nous, fight for us, dans le séjour de mort, in Hades, et que rien ne soit tranquille. Tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. There's no peace for the wicked one. Frappe, 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 frappe. Strike, strike, strike. Frappe, 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 frappe. Strike, strike, strike. Et libère ton peuple, libère and ton release, peuple. Set your people combat free. Pour nous. Fight for us. Dans le séjour de mort. In Hades. Combat pour nous. Fight for us. Partout où se trouve l'esprit des morts. Wherever there is a spirit of a dead. Partout où se trouve l'esprit des morts. Wherever there is a spirit of a dead. Qui est sorti du séjour de mort. Which came out of Hades. Pour se cacher. To hide. Même dans le corps d'un homme. In the body of a man. Dans le corps d'un animal. In the body of an animal. Combat. Fight. Qui sont frappés. And let me strike. Partout il est caché. Wherever combat is fight. Qui sont frappés. Fight. Oh, combat pour nous dans le désert. Fight for us in dans le désert. In the wilderness. 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 Combat pour nous. Fight for us. Dans les cimes des arbres. On the tops of mountains. Dans les racines des arbres. Tous les arbres adorés. The trees that are qui soient brûlés, consumés. Let it be burned and consumed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of combat Jesus. Pour nous. Combat pour nous. Fight for us. Dans les reptiles. In the reptiles. Dans le ventre des reptiles. In the belly of partout the reptiles. Partout se trouve un reptile. Wherever there is a qui reptile. A avalé quelque chose. That has swollen nous appartenant. That belongs frappe-le. Frappe-le. Strike it. Frappe-le. Strike it. Frappe-le. Strike it. Frappe-le. Strike it. Combat pour nous. Fight for us. Combat pour nous. Fight for us. Exerce ta vengeance. Fight for us. Exerce ta vengeance. Exercise your language. Pray in tongue. Pray in tongue. Pray in tongue. Pray in tongue. Ura bakasara bakasabaga. Ura bakasabaga bakasabaga. Ura bakasara bakasabaga. Ura bakasaga bakasaga. Ura bakasaga bakasaga. Ura bakasaga bakasaga. Ura bakasaga bakasaga. Ura bakasabaga. Ura bakasabaga. Ura bakasabaga. Ura bakasabaga. Ura bakasabaga. Dieu Père, Dieu Père, combat pour nous, fight for us, dans les lieux, in places, qui ne peuvent pas être nommés,
that cannot be named. Que toi tu connais. That you know. Tout lieu. Place, any place. Pas pu nommer. That cannot be named. Combat, combat, combat. Fight. Disperse, disperse, disperse. Scatter. Frappe. Strike. Continue à prier. Keep praying. Dieu Père, Dieu Father, au nom de Jésus, in the name of Jesus, toute œuvre des sorciers, every work of wizard, pratiqué dans le collège des sorciers, that is practiced, soit cassé, brisé, renversé. Let it be broken, que broken tous les collèges des sorciers des villages soient dispersés. Let every group of sorcerers in the villages be scattered. Continue à prier. Keep praying. Au nom de Jésus, say in the name of Jesus, il est écrit, it is written, toute langue qui se lèvera contre toi, every justice, tongue that will rise against you, tu la condamneras. You should condemn it. Dis au nom de Jesus, say in the name of Jesus, il est écrit, it is written, toute langue, that every tongue qui se lèvera contre that toi, will justice, rise against you shall condemn it. Qui se lèvera contre toi en justice, that will be, go, tu rise la condamneras. Injustice shall condemn it. Lève ta main droite. Dis au nom raise de Jésus. Raise your right. Say in the name of Jesus. Nous condamnons toutes les langues. We condemn all the tongues. Qui revendique quelque chose. That claim something. Et qui résiste. And that resist. Nous lions les langues. We tie et nous their tongues. Nous ordonnons qu'ils partent. We bind their tongues and we command them to depart. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis d'un commun accord. Say in one accord. S'il y a un seul démon. If there is only one demon. Un seul mari de nuit. Only one spirit husband. Qui s'endurcit. Which is being hardened. Et qui parle. And en that disant, speaks. C'est ma femme, c'est moi. Saying it is my wife, it's me. Et je ne parle pas. Or I will not go. Frappons. We strike you. Nous lions ta langue. And we bind your tongue. Nous t'ordonnons de te taire. We command you to
to shut de partir up. Maintenant même. And to depart right now. Nous frappons tout ce sur quoi tu t'appuies. We strike all that on which you stand. Nous frappons toutes choses. We strike everything. Sur laquelle tu t'appuies. On which you stand. Nous te désarmons. We disarm you. Nous te frappons. We strike you. Nous entrons dans tes derniers retranchements. We get into the last hiding place. And we judge, we strike. Que le feu de Dieu t'atteigne, même si tu es dans un mort. Even if you are in a dead. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Get out and go. Say in the name of Jesus. You, spirit husband. Même si tu es entré dans un cadavre. Even if you got into a corpse, to flap on, we strike you. Sors, get out, et va-t'en, and go. Même si c'est dans un arbre, even if it is on the, in a tree, to flap on, we strike. Nous incendions cet arbre, and we put fire in that tree. Nous brûlons cet arbre, we burn that tree. Va-t'en, be gone. Continue à prier, keep praying. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis si s'il y a un obstacle sur le chemin d'un frère. Say if there is an obstacle on the way of the brother. Un obstacle. An obstacle. Sur le chemin d'un frère. On the way of a brother. Sur le chemin d'un mariage. Or on the way of a marriage. Le chemin de la croissance spirituelle. On the way of spiritual growth. Le chemin de la connaissance de la parole de Dieu. On the way of the knowledge of the word of God. Tout ce qu'on appelle obstacle. Whatever his name obstacle. Quel que soit le domaine dans lequel il opère. Whatever the domain where he operates. Nous frappons ces obstacles. We strike those obstacles. Nous les brisons. We break them. Si ce sont des esprits humains. If they are human spirit. Nous les chassons. We cast them out. Nous les lions et nous les chassons. We bind them and we continue cast them. Prier. Keep praying. Lève ta main droite. Raise your right hand. Nous levons nos mains. Pour juger toute forme de résistance. To judge every form of resistance. Toute forme de résistance. To judge any form of resistance. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous frappons toute résistance. We strike every resistance. Et nous venons au secours de toute personne. And we come to help anybody. Qui rencontre une résistance dans sa vie. That encounters a resistance in his life. Individuel. In his individual battles. Nous nous joignons à cette personne. We join that person. Pour frapper l'adversaire. To strike the adversary. Pour frapper l'adversaire. To strike the adversary. Pour tailler en pièces. We cut to pieces. Casser toute porte fermée. We break every closed door. Briser tout lien. We break every tie. Briser toute chaîne. We break every chain. Pour anéantir tout envoûtement. We break to nothing. Pour anéantir toute incantation. We cancel every incantation. Pour anéantir toute divination. We cancel every divination. Pour anéantir tout envoûtement. We cancel every bridge. Cassons tout. We break all. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Continue à prier. Keep praying.
Gardez le calme. Remain calm. Asseyez-vous. Sit down, please. Va-t'en, ne reviens plus. Be gone and no longer come. Va-t'en. Be gone. Nous frappons, nous brisons, nous libérons les captifs. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous arrachons toute âme. We snatch every soul. Entre les mains de l'ennemi. Within the end of the enemy. Nous arrachons toute âme. We snatch every soul. Entre les mains de l'ennemi. From the end of the enemy. À travers l'emprise des envoûtements. Through the grip of bewitchment. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Même si on l'a mise dans une bouteille. Even if he has been put cassons cette bouteille. We break that bottle. Nous cassons cette bouteille. We break that bottle. Même si on l'a mis dans une bouteille. Even they have put him in the bottle. Et gardé dans une maison hermétiquement fermée. And kept in a house hermetically closed. Nous cassons cette maison. We break that house. Nous brisons cette maison. We break that house. Nous détruisons cette maison. We destroy that house. Nous ordonnons aux captifs. We command the captive to sortir, to get out, libre, free, libre, free, libre, free, libre, free, libre, free. Même si c'est dans une tombe, even if it is in nous a grave, cassons cette tombe, break that grave, nous cassons cette tombe, break that grave. Même si c'est dans un cercueil dans une tombe, even if it is in a coffin, nous cassons in la tombe, we break the grave, cassons le cercueil, and we break the coffin. Même si on l'avait emballé, even if they have wrapped it, par des chaînes. We've changed. Nous cassons la tombe. We break the chains. Brisons les chaînes. We break the chains. Nous commandons aux captifs. We command the captives. Sortir libre. Get out free. This captive. C'est captive. Tu es libre. You are free. Captive. Captive. Tu es libre. You are free. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sors. Get out. Et sois libre. And be free. Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Remain calm. Si ton nom est dans un canari. If your name is in a clay pot. On a établi une liste. And they have made a list. Ton nom est dans la liste. And your name is in it. Et dans un canari. And it is in a. Cassons ce canari. Break that clay pot. Nous effaçons ton nom. And we blot out your name avec le sang de Jésus. With the blood of Jesus. Nous effaçons ton nom. Break. We blot out your name avec le sang de Jésus. With the blood of Jesus. Tu ne seras pas captif. You will not be a captive. Nous insistons. We insist. Si on a écrit ton nom sur une liste. If they wrote your name on a list. On a mis dans un canari. And they put in a clay pot. Même si l'a enterré, même si on a enterré ou on a jeté dans l'eau. Even if they have buried it or thrown into the water. Même si c'est suspendu. Even if it is hung. Quelque part. Anywhere. Même si ça a été jeté dans une latrine. Even if they are put in a toilet. Si ça porte ton nom. If it bears your name, et que c'est contre toi, and it is against you, toi qui as trouvé refuge en Jésus, you who have found a refuge in Jesus, brise
brise tout cela au nom de Jésus. Break all this in the name of Jesus. Je déclare. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. Libre, libre, libre. Free, free, free. Si on a dit à quelqu'un, if they told somebody, de livrer une personne, to hand over a person, et il a donné ton nom, and he gave your name, dit je déclare, say I declare, que ça ne marchera pas, that it will not work, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. It will not work. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. It will not work. Au nom de Jésus. It will not work in the name of Jesus. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. It will not work. Ça ne marchera pas. That it won't work. Au nom de Jésus. That it won't work. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. That it won't work. Au nom de Jésus. It won't work in the name of Jesus. Gardez le calme. Remain calm. Dis même si ce n'était pas pour me tuer. Say even if it was not to kill me. Si c'était pour qu'il devienne riche pendant que moi je suis pauvre. If it was for that person to become rich while I am poor. Si c'est mon nom qu'il a donné. If it is my name that has been given. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. That ça it will not work. Pas. It won't au work. Nom de Jésus. It won't work. Ça ne marchera in the name pas. Of Jesus. Ça ne marchera it won't pas. Work. Ça ne marchera it pas. Work. Ça ne marchera it won't pas. Work. Ça ne marchera it won't pas. Ora bakashere bakako bakaseka rabaka ora bakaseka re bakaseka re bakaseka re bakaseka re bakaseka re bakaseka re bakaseka rabaka. Je déclare que ça ne marchera pas. It will not work. Ça ne marchera pas. It won't work. Ça ne marchera pas. It won't work. Ça ne marchera pas. It won't work. Ce complot ne marchera pas. That plot will not work. Gardez le silence. Remain calm. Oui, beaucoup de personnes ont été envoûtées pas pour mourir. Many people were bewitched not to die. Mais c'est pour prendre tout ce qu'ils ont. But just to take all that they have. C'est ce que le Saint-Esprit révèle. This is what the Holy Spirit is revealing. Tu vas dire, tu dis, si mon nom a été donné quelque part. Say if my name was given somewhere. Même si ce n'était pas pour me tuer. Even if it was not to kill me. Et si le but était de me voler toute la grâce de Dieu. But if it was intended to steal all the grace of God. Si le but était d'enlever toutes mes bénédictions. If it was intended to remove all my blessings. Si le but était que je devienne pauvre. If it was intended that I become poor. Pendant que quelqu'un d'autre s'enrichit par mes bénédictions. While somebody else is being enriched. Through my blessings. Je déclare I declare que ça ne marchera pas. It
won't work. Oh Lord Jesus. In the name of Jesus. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. That it won't work. Je déclare. I declare. Je déclare. I declare. Que ça ne marchera pas. It won't work. Ça ne marchera pas. It won't work. Ça ne marchera pas. It won't work. Tout ce complot contre moi. That plot against me. Ne prospérera point. Will not prosper. Elika. Je déclare, say, I declare que ça ne marchera pas contre moi. That it will not work against me. Ça ne marchera pas contre mes frères en Christ. It won't work against my brother in Christ. Ça ne marchera pas contre moi. It won't work against me. Ça ne marchera pas contre les frères en Christ. It won't work against my brothers in Christ. Nous jugeons ce complot. We judge that plot. Nous dispersons les auteurs. We scatter the authors. Même s'ils sont rassemblés. Even if they are covered. Même s'ils forment un collège. Even if they are a group. Nous dispersons le collège. We scatter the group. Nous dispersons le collège. We scatter the group. Nous dispersons le collège. We scatter the group. Même s'ils sont nombreux. Even if they are many. Nous les dispersons. We scatter them. Nous les dispersons. We scatter them. Même s'ils parlent une même langue. Even if they speak même the same tongue. Même s'ils ont une même langue. They have the same nous language. Nous divisons leur langue. We divide their 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 language. Même s'ils ont les mêmes armes. Even if they have the same nous brisons leurs armes. We break their arms. Même s'ils ont des forteresses. Even if they have nous cassons. We break. Nous démolissons les forteresses. We demolish the fortresses. Nous démolissons les forteresses. We demolish the fortresses. Nous cassons les forteresses. We break. Même s'ils ont des refuges. Even des refuges. They have refuge. Nous brûlons les refuges. We burn their refuge. Nous brûlons leurs refuges. We burn their refuge. Même s'ils ont des quartiers. Even if they have nous cassons leurs quartiers. Nous cassons le quartier. Nous cassons tout endroit qui constitue le quartier général. Where the headquarters is. Même s'ils ont des appareils mystiques. Even if they have mystic même s'ils ont des radars et des avions. Even if they have nous radars jugeons. And planes. Nous brisons leurs armes. We break their arms. Nous brisons leurs armes. We break their arms. Nous proclamons la colère de Dieu. We proclaim the wrath of contre God leurs œuvres. On their work. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Gardez le calme. Remain silent. Be concentrated, the Lord is at work. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Si c'est une maladie. If it is a disease. Ils ont laissé. That they left. Je ne meurs pas, mais je suis malade. I don't die, but I'm sick. Et ça fait leur joie. And this gives them joy. Je déclare. I declare. Que cette maladie. That disease. Est guéri. Is healed. Par les maîtres de Christ. By the stripes of Christ. Cette maladie est guérie. That sickness is healed. Every person who is sick, parce qu'on l'a envoûté, because he has been bewitched, qu'elle guérisse maintenant même. Let him be healed now. Reçois la guérison divine. Receive divine healing. Nous brisons l'envoûtement. We break the bewitchment. Qui a provoqué ce mal? That provoked that pain. Nous jugeons toute incantation. We judge every incantation. Nous brisons tout sacrifice. We break every nous sacrifice. Bannissons tout sacrifice. We ban every sacrifice. Qui a envoyé ce mal dans ta vie? That brought that pain in your life. Tu es guéri. You are healed. 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 Si c'est un esprit de peur, if it is a spirit of fear, on a envoyé te hanter. That they brought to haunt you. Peut-être tu discutes une passe de terre avec quelqu'un. Because you are
Maybe you are arguing about a plot of land with somebody. Il a pratiqué contre toi. And he made a practice against you. Dès que tu penses à lui, tu trembles, tu laisses. As soon as you think about him, you shiver and you leave it. Tu ne peux même pas mettre pied dans ton champ. You cannot even set your foot in your plantation. Quand tu penses à lui, ton cœur bat. When you think about him, your heart beats. Il devient le bourreau. He becomes a tyrant. Tu ne peux même plus aller dans ta plantation. You can no longer go into your field. Ou bien tu as une maison en location. Or maybe you have a house that you rent. Les locataires te dictent leurs lois. And the one who lives there gives you, they dictate you the laws. Des mois sans payer. Months without paying. Et il t'a envoûté. And he has bewitched you. Quand tu penses à lui, tu trembles. When you think of him, you tremble. Tu ne mets même pas pied là-bas. You cannot even set your foot there. Et lui vit royalement chez toi. And he's there living royally. Au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Nous brisons le joug de captivité. Break the yoke of captivity. Nous brisons le joug de captivité. We break the yoke of captivity. Nous brisons les chaînes de captivité. We break the chains of captivity. Et nous te bénissons. And we bless you. Va. Go. Prends possession de ton héritage. And possess your inheritance. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi. You. Qui es béni de l'Éternel. You are blessed of the Lord. Va. Go. Prends possession de ton héritage. Take possession of your inheritance. Aucune arme ne prévaudra point contre toi. No weapon shall prevail against you. Va. Go. Possède ton héritage. And take possession of your inheritance. Ne tremble plus. No longer shiver. Esprit méchant. Wicked spirit. Toi qu'on a chargé. You who have been in charge. De suivre la personne. To follow the person. De suivre quelqu'un. To follow somebody. T'as donné la cola. They give you cola nut. Il dit va. They say go. Suis-le. Follow him. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il n'y a personne ici qui vaut une cola. If the person is here, let him vomit the cola nut. Nous sommes les princes de Dieu. We are princes of God. There's nobody here who wears a collar knot. S'il y a quelqu'un, if there's somebody, dont les choses, les choses ont été envoûtées, whose things have been bewitched, l'ennemi a dit ne le touchons pas lui-même. The enemy said, let us not touch himself. Il pourrait réagir. He could react. Gâter sa voiture. Gâter sa voiture. Spoil his car. Attaquer ses biens. Attack his wealths. C'est la méthode du diable. Le diable n'a pas commencé par rendre Job malade. That's the method of the devil. He didn't start by making Job sick. Il a commencé par les biens. He started by the wealth. Si tu négliges, if you neglect, l'étape suivante sera ta vie. The next step will be your life. Mon ennemi. C'est mon ennemi. Ne touche pas mes biens. Do not touch my wealth.
Ne touche pas. Do not touch. Ne t'approche pas de ce qui m'appartient. Do not draw near that which belongs to me. À ceux qui ont touché, nous arrachons tout. Those who have touched, we snatch all. Nous arrachons ce qui a déjà été touché. We snatch that which has already been touched. Pose la main sur ta tête. Lay your hand upon your head. Seigneur. Say, Lord. Tu me connais. You know me. S'il y a une maladie en moi. If there is a disease in me. Ça n'a rien à voir avec les envoûtements. That has nothing to do with bewitchment. S'il y a une maladie en moi, if there is a sickness in me, qui n'a rien à voir avec les enfoutements, which has nothing to do with bewitchment, guéris-moi. Heal me. Oh, Père, guéris-moi. Say, oh, Father, heal me. Oh, Père, guéris-moi. Say, oh, Father, heal me. Prions en langue. Let us pray in tongues. Lève ta main droite. Raise your right hand. Ici y a un esprit de vieillard. Say, if there is a spirit of old man
qui a incarné quelqu'un. Of an old person that has incarnated somebody. Et la personne est régulièrement malade. And the person is regularly sick. Et la personne vieillit. And the person is growing old. La personne fait comme ce vieillard. And the person behaves like that old man. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. You listen to the testimony of the sisters. Tante était assise dans son ventre. The aunt was sitting in her belly. Elle marche courbée comme une vieille femme. And she's walking bent like an old lady. Si c'est ton cas. If it is your case. Proclaim. Que tu es le temple du Saint-Esprit. That you are the temple of the Holy Spirit. Dis, je proclame. Say, I proclaim. Que j'ai donné ma vie à Jésus. That I gave my life to Jesus. Volontairement. Deliberately. Parce que Jésus s'est révélé à moi. Because Jesus revealed himself to me. Je n'ai pas donné ma vie au vieillard. I did not give my life to the old person. Esprit humain. Say human spirit. Je me rendre vieux alors que je suis encore jeune. Who wants to make me old though I'm still young? Va-t'en. Be gone. Sors et va-t'en. Get out and go. Sors et va-t'en. Get out and go. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je libère mes genoux. I release my knees. Je libère mes articulations. I release my joints. Je libère ma colonne vertébrale. I release my backbone. Je libère tous mes membres. I release all my members. Je libère mon cœur. I release my heart. Je libère mes poumons. I release my lungs. Je libère mon foie. I release my liver. Je libère mon estomac. I release my stomach. Je libère mes intestins. I release my intestines. Je libère mes reins. I release my kidneys. Je libère mon pancréas. I release my. Je libère ma rate. My spleen. I release my spleen. Je libère ma vessie. I release my bladder. Je libère mon appareil de reproduction. I release my reproduction. Gardez le calme. Remain calm. Gardez le calme. Remain calm.
Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Dix témoignages. 10 testimonies. 10 personnes. 10 people. Dix personnes. 10 people. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Amango Ecclesia. J'ai pour fils un pasteur Villasco. Pendant qu'on priait, quand papa a demandé de juger les maris de nuit, de les chasser, pendant qu'on priait, j'avais une vision où j'étais arrêtée auprès d'un robinet, beaucoup de robinets, et j'ai vu des vases, des pots remplis, et il y avait plusieurs personnes qui étaient en rang, qui attendaient de prendre la peau. Et j'ai vu encore une deuxième vision, où dans la vision, j'étais sur un chemin. Et c'est comme si un homme avait froissé un papier et avait jeté sur le goudron. Et j'ai vu un cahier ouvert, une nouvelle page ouverte. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je m'appelle la sœur Onvo Maciel. Je voulais bénir le nom du Seigneur, car ce soir, il m'a délivré d'un esprit de mari, de famille, vaudou. Dans notre famille, nous sommes béninois. Et toutes les femmes ne sont pas mariées, car toutes les femmes sont mariées au vaudou. Pendant que le pasteur Méni a dit, tout esprit de résistance, j'ai vu ce vaudou-là m'a projeté et... L'équipe de Hacker Installation sont venus me chercher pour m'envoyer à l'équipe des délivrances. Quand ils m'ont envoyé là-bas, quand les pasteurs ont commencé à prêcher, et maintenant il y a un pasteur qui a parlé en langue, l'esprit de vaudou a dit, pourquoi toi tu veux te marier? Car parmi mes 10 sujets de prière, j'ai mis le mariage. When the pastor started praying, c'était prier ou prêcher. Quand les pasteurs... De délivrance, comme ça, prier en langue. Okay. Quand les pasteurs de délivrance ont commencé à prier en langue, et j'ai vu ce vaudou-là, elle m'a dit, pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu veux te marier? Car toute ta famille sont mariées à moi. Car toutes les femmes de la famille sont mariées à moi. Et c'est ce que les pasteurs de l'équipe de délivrance, on commence à dire, nous invoquons Jésus en langue. Quand ils ont commencé à prêcher, j'ai vu un homme en blanc apparu. Et l'homme en blanc a chassé cet esprit-là, a chassé ce vaudou-là. Et maintenant, les pasteurs ont dit que nous allons l'envoyer dans le désert de Sahara. Mais j'ai même vu ce vaudou-là. Il a pris ses bagages. Et puis il a commencé à partir dans le désert. Et j'ai vu mes tantes m'ont mis sur une table. Et puis ils ont commencé à m'égorger. Et maintenant les pasteurs ont dit encore que nous invoquons l'esprit de Jésus en langue. Comme ils ont commencé à prêcher encore, ces femmes là ont pris la fuite. Et quand ils ont commencé à prier, ces femmes ont pris la fuite. Vraiment, je voulais bénir le nom du Seigneur car il m'a délivré de l'esprit des maris, de vaudou de nos familles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Charlotte Louise, épouse Gourin, disciple du pasteur Boniface Meunier. Lorsque le pasteur nous a conduits à prier pour les 10 sujets, à sortir les 10 sujets, j'ai vu que le Seigneur me disait, mais regarde, observe, pour la plupart de tous ceux qui m'ont présenté ce sujet, j'ai déjà exhausté beaucoup de sujets. Amen. Et il m'a amené même moi-même, et il me dit, mais hier, regarde le plus grand, j'ai exaucé, j'ai même des témoins qui ont vécu cette affaire avec moi. Et... bientôt, je vais voir le pasteur pour lui faire le témoignage. J'étais avec une sœur, nous avons vécu ce miracle-là.
Le Seigneur m'a montré, me dit, mais regarde hier ce qui s'est passé, je t'ai exaucé. Et donc, je bénis le Seigneur. Pour terminer, le pasteur, vers la fin, il nous a dit de rester, de garder le silence. Et en ce moment-là, j'ai entendu, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ devant Dieu le Père. Donc, en tant que fils, il était en train de lui dire la prière de, qui est dans le chapitre de 17 de Jean. Que la gloire que j'avais auprès de toi, je leur ai donnée. Et c'est cette gloire-là que le Père nous a restituée parce que l'ennemi avait volé. Effectivement, le pasteur disait que l'ennemi avait volé, il nous a conduits dans cette prière. Et quand c'était le calme, c'est en ce moment-là que j'entendais que cette voix du Seigneur résonnait et son Père lui a dit, mais je leur donne, je remets la gloire, je redonne cette gloire à chacun de mes enfants. Acclamation. Clap offering. Jésus est merveilleux. Il est bon et miséricordieux. Jesus is good and merciful. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Juliette Siaba et je suis disciple du pasteur Innocent Lombé. Je m'étais infiniment reconnaissante au Seigneur ce soir parce qu'il m'a désenvoûtée. Gloire à Dieu. Il faut dire tout à l'heure quand on priait, quand le pasteur Méné a dit, si on a écrit ton nom sur une liste qu'on a mis dans un canari, le but c'est que tu sois pauvre et que la personne prospère. Les démons se sont manifestés et les frères m'ont amené à l'équipe de délivrance. Et pendant que les frères priaient pour moi, les démons disaient qu'on a tout pris, on a tout pris. Et les frères ont commandé qu'ils libèrent tout. Et ils ont dit, on donne tout. Et quelques temps après, les frères ont discerné qu'il y avait une résistance. Ils ont dit, toi qui résistes, nous t'ordonnons de partir. Et ils disaient, et le démon a dit, son mari et son mari, nous n'allons pas donner. Et les frères ont jugé, ont commandé. Et j'ai vu en vision quelqu'un jeter une bague sur moi. Gloire à Dieu. Et les frères l'ont chassé. Et après, je me suis retrouvée. Je veux infiniment dire merci au Seigneur. Amen. Acclamez comme la victoire. Clap for this victory. Gloire à Dieu. Je me nomme Kangaou Yvonne. Mon faisait des disciples, c'est passé Bosco. Je veux dire merci au Seigneur. Hier, j'ai vu trois visions. Première vision, c'est comme papa dansait, il sautait, comme dans ce qu'on appelle reggae. Il dansait, il sautait, il sautait. Après ça, quand la vision est passée, je suis arrêtée, j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit, ah, mais pourquoi papa danse reggae? Après ça, je vois encore, c'est comme l'eau sale coulait, comme l'eau qui coule dans un caniveau là, très sale. Avec les saletés, beaucoup comme ça. Ça coule beaucoup comme dans l'eau des caniveaux. Après ça, quand ça s'est passé, et l'eau qui venait là, c'est comme ça vient au sol. L'eau pure, bien propre, propre, bien propre comme ça. Après c'est passé encore, je vois encore un fou. Il est très sale. Et puis les frères ont commencé à le poursuivre. Il courait. Quand ça s'est passé encore, je vois encore, au quartier, il y a un fou, que il est au quartier. Je l'ai vu. Après les autres fous encore, il commençait à courir. Bon, j'étais là comme, dans ma famille là, il y avait trois fous. Il y a petite soeur de maman, elle est folle, et puis ça... Non, dis ce que Dieu a fait. Say what God did. Maintenant, quand j'étais là, je me suis dit que ça s'agit de moi-même ou bien quoi. Pourquoi souvent je vois les fous comme ça? J'ai commencé à prier, juger les fous. Et je viens de comprendre que c'est la délivrance. Donc je veux dire merci au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je m'appelle la sœur Bamoni Thérèse. On faisait des désirs, c'est le pasteur Méné Boniface. Quand le pasteur priait, qu'on a écrit votre nom, on a mis votre nom dans Canary. J'avais fait un accident, il me devait 10 millions. Et cet oncle m'a trompé. Et le Seigneur a dit que il me donne, j'ai vu là,
C'est comme mon oncle s'est présenté, il dit, je donne ton argent. Et je vois une clé, il me donne, il dit, voici, je devais prendre une maison. Il dit, voici la clé de ta maison. Alléluia. Le deuxième, j'ai vu quand le Seigneur a dit, que oui, je vous délivre. C'est comme quand il avait pris la maison. Après, il me dit, que oui, tu étais venu pour réclamer ta maison, mais je voulais te tuer, mais je n'ai pas pu. Où tu es parti, tu es délivré, je te donne les clés pour ta maison. Au nom de Jésus, amen. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Akpa Paul Marina et mon faiseur de disciples, c'est Maman Lizzie Kone. Gloire à Dieu. Quand nous avons commencé à prier, franchement dit, il se sentait le besoin de partir vers les toilettes et il y a une voix qui me dit de rester. Et quand je suis restée, on a commencé à prier. Mon ventre a commencé à me faire mal, à tel point que c'est comme si je voulais accoucher. Il y avait les pointes, je ressentais la douleur fortement. Et je me suis assise et j'ai commencé à me tordre de douleur. Et le frère d'accueil qui était juste en face de nous a suivi la scène et il m'a dit, il s'est approché de moi, il m'a demandé, « Ah, sœur, tu as quel problème ?» Il a dit, « Non, il voulait me prendre même pour aller à la délivrance. » Et lui a dit, « Non, que j'avais juste mot de ventre. » Il dit, « Mais tu es venu avec ou bien c'est ici ça a commencé ?» Il a dit, « C'est ici ça a commencé. » Et il m'a pris. Je marchais même normalement. Et on est parti à l'équipe de la délivrance. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont déposé sur les chaises là. Et le pasteur a commandé. C'est comme s'il arrachait quelque chose dans mon ventre. Et en même temps, je suis devenue raide. C'est-à-dire que j'ai perdu connaissance. Et ils ont commencé à prier, à juger l'esprit humain. Gloire à Dieu. Et ils ont commandé, ils ont arraché. C'est comme s'ils arrachaient, ils arrachaient le cœur, ils arrachaient dans le ventre qui me faisait mal. En tout cas, ça me faisait encore plus mal. Ils arrachaient. Et quand ils ont fini, ils ont demandé, qui es-tu? Et c'est après qu'ils m'ont expliqué. Ils disent non que je suis. Ils ont dit le nom qu'ils ont dit. Eux-mêmes ils ont écrit dans leur cahier là. C'est le nom de ma mère. Et ils ont commandé de partir. Et elle est partie. Gloire à Dieu. Et je me suis sentie libérée. Le ventre qui me faisait mal là, a disparu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il m'a délivré. Acclamons Jésus. Mais de ma mère. Amen. Gloire à Dieu, je me nomme la sœur Zegri Abimael. Mon faiseur de disciples, c'est Carole Babatunde. Je veux dire merci à Dieu qui m'a guéri de mal de pied. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Jésus, je me nomme la sœur Koalida, épouse Conan. J'ai pour faiseur le pasteur Nguessan Mathias. Gloire à Dieu. Je veux dire infiniment merci au Seigneur parce que après cette session de prière, je crois fermement qu'il m'a guéri, qu'il m'a délivré. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Francisca, mon faiseur disciple, c'est le pasteur Conan. Je voulais être infiniment reconnaissant au Seigneur parce que bien avant que la prière de combat commence, je me sentais très mal. J'avais envie de vomir, je me sentais bizarre, je ne comprenais pas, puis j'avais mal aux pieds. Je suis allée à l'équipe de brisement, à l'équipe de délivrance. Quand ils priaient, c'est comme si j'ai envie de rendre. Et puis en même temps, mes pieds me grattent, ça faisait que me gratter, je ne comprenais pas. Et puis le frère m'a dit, va t'asseoir, continue de prier. Quand le pasteur a dit, quand il a donné le sujet de délivrance de l'envoûtement, vraiment, ça continuait toujours de me gratter. Après la prière, c'est venu dans mon esprit de regarder si j'avais toujours mal aux pieds. Je regarde, je vois que j'ai plus mal. Je voulais dire infiniment merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Nyalega Matt. Et quand le pasteur a dit de prier et de casser les canaris, et c'est ce que nous avons fait. Mais quand on a cassé le canari, il y avait mon nom qui était dedans et le nom de tous ceux qui étaient des jumeaux dans la maison.
était dedans. Et là, je me suis vue attachée, et comme les gens, les femmes d'Ida portent des autres au dos, on a mis un cercueil à mon dos et j'étais en train de trimballer ce cercueil. Mais quand papa a prié pour dire que si la personne est dedans, que la personne sorte, en un clin d'œil, j'ai vu mon esprit, mon âme, mon corps, tout est sorti en même temps. Et je me suis sentie libre, libre, libre. Je veux dire merci à ce Dieu qui m'a délivrée encore ce soir. Amen. Au niveau où nous sommes arrivés, at the level where we are, rassure-toi que tu aimes les frères. Make sure you love the brethren. Ça va te donner une victoire totale. This will give you a complete victory. Disciples, faisaient des disciples. Disciple makers. Soignez vos relations. Cure your relations. Marie. Husbands et épouses and wives, soignez vos relations. Cure your relations. Les enfants et les parents, the children and their parents, soignez vos relations. Cure your relations. Le combat est arrivé au niveau où si quelqu'un n'est pas implanté dans l'église locale, the battle has reached a level at which if somebody is not planted in the local church, d'une façon vraie et sincère, in a very true and sincere way, il ne peut pas gagner. He cannot win. Le combat contre la sorcellerie, because the battle against witchcraft, est le combat de l'église, is the battle of the church. Ce n'est pas pour les individus. It is not for individuals. Tu dois être quelqu'un qui supporte les frères. You must be somebody that supports the brethren. Qui est patient. Who is patient. Si le mari et la femme ne s'entendent pas, if the husband and the wife do not get along, leurs prières, les deux, leurs prières sont bloquées. Both of them, their prayer is blocked. À ce niveau-là, nous sommes arrivés. We have reached that level. Nous sommes au niveau où c'est le plus sage qui s'humilie. We are at the level at which it is the wisest who humble himself, pour qu'il y ait la paix, so that there will be peace. La Bible dit, the Bible says, heureux ceux qui procurent la paix, blessed are the peacemakers, ils seront appelés fils de Dieu, they will be called children of God. Nous sommes arrivés au niveau où l'apôtre Paul enseigne. We have reached a level at which Apostle Paul teaches que si vous vous mordez, that if you bite one another, vous allez finir par vous détruire. You will finally destroy yourselves. Ça ne sera même pas le diable. It will not even be the devil. Tu mords ton frère, il te mord, tu mords, il te mord, et puis vous mourrez. You bite your brother, he bites you, you bite him, he bites you, and you die. On vient trouver deux cadavres côte à côte. We come and find two dead bodies near one another. Ils se sont mordus. They have
beaten themselves. They have beaten each other. Là où nous sommes. This, we are at that level. Paye le prix. Pay the price. Pour sortir victorieux. To come out victorious. Paye le prix. Pay the price. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands upon your head. Je me plonge dans le sang de Jésus. Say, I dip myself in the blood of Jesus. J'interdis à tout démon sorti. I forbid every demon that has gone out. À tout démon chassé. Or every demon that have been cast out. D'aller attendre un frère quelconque quelque part. To go and wait for any brother anywhere. Tu ne reviens plus. You no longer come. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu ne vas pas à la maison. You don't go home. Tu ne te tiens pas quelque part sur le chemin. You don't stand somewhere in the way. Je t'interdis même d'espérer. I forbid you to even hope. Que tu peux revenir. That you can come back. Et banni pour toujours. You are banned forever. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen.